Une espèce de nouveau roublard. Un cric cric d'ouf, made in synchro. C'est tout de suite, c'est avec mes dents, chante de dents, j'espère que vous êtes chaud. Mr. Butters. Et ouais, nous sommes en présence d'un personnage de South Park. Bon, c'est un personnage féminin parce que je trouve que le Xelor, il est pas très beau. Il a un petit peu une tête d'handicapé, mais tranquille. Je pense qu'on va quand même tenter de prendre l'initiative. Et mes dents, chante de dents, qui se lance face à ce yop qui est totalement terre général, Rox. Je suis niveau 199, comme je vous l'ai précisé. Donc jusque-là, tout glisse, tout coule de source. On peut y ajouter un petit sirop de grenadine. Et le goût sera sucré et bonté divine. Alors, je vais arrêter de parler, je vais jouer. Alors, petite frappe du Xelor comme ceci. Hop. On gélure. On redescend. On fait ça et on floute parce que je pense que l'autre il va se ramener en fond de cinquième. Donc mon premier tour en 1 vs 1 c'est ça. Si vous avez des meilleurs tours etc, n'hésitez tellement pas à me les balancer au coin de la Google Maps s'il vous plaît. D'ailleurs il a la petite coiffe poulpe qui est niveau 200 qui donne un PA qui donne de la force. Il me semble que si j'arrive à obtenir le niveau 200 sur mon petit Xelor, je mettrai cette putain de coiffe. Alors tac, je me retrouve en 16 PA. Super et tout, on a gonflé ça. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est ça. Après, je sais pas si mes tours sont excellents, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas du tout sûr de ce que je fais. Mais je le fais, quoi. Donc, on va reculer comme ça. On va pas mettre d'autres invocations. J'ai pas pris la maîtrise. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je sais pas. Peut-être ça sur ma synchro. Après, j'ai pas trop envie de la tapouiller parce que... Voilà, si je peux... Éclater ce joueur avec des petits cri-cris d'ouf comme ça, ce serait cool. Par contre, il tape fort, hein, mais bon, j'ai 32% avec 71. Ça devrait le faire. Ok, donc là, il a 30 rush. Est-ce qu'il a lancé une colère de Yop quelque part? Non, absolument pas. Il a une vitalité qu'il faudra laisser dans le coin de ma démotivation pour pouvoir lui en le retirer. Alors, avec une petite gélure, je vais pouvoir le décaler ici. Ce qui fait plutôt plaisir. Je vais choper la petite ligne de vue ici. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais pouvoir lui mettre une frappe. Bah, il a envoyé du rock comme ceci. Il me semble que Souvenir le fait revenir à sa place. Tout à fait. Paf. Voilà, et je pense que je vais pouvoir me rembobiner. Alors, je sais pas si c'est le meilleur move à faire. Je retourne au bercail. Donc là, je lui ai littéralement éclaté la nuque, je pense. C'est pas mal. Attendez, combien on lui a envoyé là? Ouais, on lui a envoyé un peu de dégâts, quoi. Ok, oh putain, je lui ai laissé une ouverture pour faire des épées diop. Et cette coquine, elle prend tellement cher. Merde. J'ai pas très bien joué, j'avoue. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là? Give me tonight. C'était pas le mieux joué, ce que je viens de faire. Mais je peux quand même, à ce que je vois... Alors, on va mettre une synchro, parce que c'est toujours bien de mettre une synchro, je pense. Bim. Après, on peut flou. Et pourquoi pas mettre une prémonition, je pense, sur ça. Et j'ai pas envie de remettre la zone, là, en vrai. Mais c'est quoi, vas-y, c'est pas grave. Au pire, s'il prend les NDP job, ça tape moins fort. Hein. Moi, je m'en sifflote les coucougnettes. Il a 2198 PDV. Ok, il envoie une accumulation là-dessus. Dommage, parce que j'aurais récupéré des petits plats grâce au téléfrags. Et en plus, j'aurais gonflé la synchronisation. Il se remet une vitalité, donc là, il en a deux. Hein. Ah ouais, il est pas non plus très, très stabilisé au niveau de sa vitalité, ce jeune homme. Je dirais même qu'il n'est plus très, très adéquatement fort en vie. Je vais continuer, je pense, à roxer comme ça. Hop, on est pas mal, là. Petite frappe du Xelor. On envoie du rox. Bim. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Si j'ai lure, attends, si j'ai lure sur lui, comment ça se passe? Il prend la place, et je récupère mes PA, je peux taper encore. Oh, c'est super! Je suis en train de lui éclater sa nuque, un double CC de la part du joueur français, mais dans Chance de Dodge! Je vais lui envoyer un grand 2000 là, non? Oh, il est en 13 PA par contre, grâce au flou. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Je peux roll back. Ça va pas faire grand chose de roll back en fait. Je le détacle pas en plus. Une petite libée, ça pourrait être pas mal peut-être. Attends, quoique le désenvoûté aussi serait pas mal, non? Ok, je vais voir ce que je peux faire. Tout. Elle m'a bien dégommé là.
Rollback, la prévisualisation, elle est bizarre. Je sais pas ce que ça fait. Je peux pas faire le con. Une petite libé comme ceci. Est-ce que ça va me gonfler ma synchro, ça? Bien sûr. Tac. Je le désenvoûte. C'est démotivation, c'est ça? Paf. Est-ce que je peux... Non, je suis pas bon, là. 1, 2... Ah non, c'est... Rock. Oh, mais qu'est-ce que... Avec moi, c'est Monsieur Buttles. Et que du coup, ben, j'attends vos avis dans les commentaires hein, sur ce gameplay. A toute zouf. J'ai l'honneur de vous informer que nous pénétrons dans la seconde battle. J'espère que vous êtes toujours à votre aise, que vous êtes en forme olympique, si ce n'est pas le cas, que vous allez pouvoir l'être après cette vidéo d'écoute, et que vous êtes embarqué dans une atmosphère de jovialité. Dans Chant de Doge qui commence sa deuxième battle face à un cra. Alors attention, attention. Il va falloir peut-être se concentrer. Peut-être tenter de mettre de l'esquive PM, parce qu'on sait jamais que c'est ça, l'ego. J'aurais bien une folklore envie de mettre un peu de résistance en terre. Et je pense que je vais retirer ce petit Dofus et tenter la prise de masse tout de suite. Mais dans Chanté d'Ange qui s'élance face à un grand niveau 200 qui a 3400. Oh là là là, il a pas énormément de vitalité. Il s'appelle le Coqueur Énervé. Donc je pense que il a envie de se foutre sur la Google Map. Hein. Allez, c'est partoche. Bon, du coup. On va plutôt le mettre là. Alors, on va mettre la synchro comme ça. Frappe. Hop. On gélure la chose. On se décale. On prémonition le monsieur. Et on se floute pour le prochain tour. Ok. Premier tour établi. Va falloir que je me concentre pour bien faire mon premier tour. Pas faire de la D. Donc là, je vais prendre la place de mon complice. Ça va me donner des PA et tout. Et ça va me faire rusher. Très bien. Coqueur énervé qui s'approche. L'enchant de Doge qui va essayer d'effectuer un tour olympiquement violent. Il tape à travers les murs. Comme il balance ses flèches par-dessus bord. Ok. Donc là, je suis en 15 PA. Très bien. Et là, c'est l'heure d'aller lui matraquer la Google Map. Hein. Je suis bien dans l'optique de lui mettre sa race moquette. Voilà, très bien. Douf. Oh, superbe ambiance. Attends, si je fais souvenir, qu'est-ce qui se passe? Ça le tape. Et ça me donne mes paires ou pas? Superbe ambiance joviale et pleine de sérénité. Oh là là, sérénitude même, je dirais. 1042 PDB d'Ange qui vient de lui foutre une flanquette, putain. Ça va se finir en tour 3, ça, comme mon roublard. Mais c'est pas si intense, ça. Ça mérite pas une descente du coude sur le pouce bleu, putain. Oh là là, mais il rétorque, le jeune homme qui rétorque. Qui envoie des bastos sur mes chances de Doge. Un kickage de PO qui est effectué tout de suite. Ok. Oh, j'ai plus de PO du tout. Mais dans Chant de Doge qui aperçoit qu'il a une téléportation disponible. Ouais, ça c'est possible. Hop. On déloque l'ivoire. On envoie une Golden Grams. Et on envoie une téléportation Kekkexdoop sur le joueur français Coqueur Énervé. Je peux pas vous laisser sur ça. Je peux pas me laisser moi-même sur ça. Troisième battle, Zivardosh. Très bien, très bien. Hop. Hop. Prémonition là-dessus. Est-ce que je me floute? Oui. Donc, il va y avoir du bouclier. Il est haut, j'ai 33% haut. Ok. Ça va, je pense tanker un petit peu. 4000 de vie, tout rond. On voit que cet homme est vraiment dans le détail. Hein. Il n'est vraiment pas là pour rigoler. Mais bon, nous non plus. Hein. On est en train d'apprendre à Krixdouf d'une certaine manière, virevoltante. Bouclier, féca, machin, truc. Ok, moi je vais atterrir là. Je vais avoir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il rush directement. L'homme qui va directement me foutre une flanquette. Oh non, ok. Il agresse directement la synchro, le coquinou. Ok, très bien. Bon bah nous, on va s'attaquer à lui hein, directement. Hein. On va pas le laisser faire quand même. La synchronisation qui reprend son full vitalité. Alors attends. On va faire ça. Parce que faut que je le désenvoûte quand même, le jeune homme là. Alors... Démotivation. Voilà. Hop. Je le fracasse. Je fais compte, je le colle. Et je mets ma prémonition sur mon complice. Parce que c'est toujours cool d'avoir du boost. Ok, mais l'agent de Doge qui engage la battle net. Bon, lui, il a toujours la synchronisation sous ses yeux. Il est en 8 PA, il me repousse parce que j'ai fait contre. Oh ouais, ok. Il a mis ce qu'on appellera une petite glyphe. On pourrait même appeler ça pareil plage. Non, il a foutu la mer sur le terrain. Moins 4 de PO. Ça, c'est un peu embêtant pour mes sorts.
Surtout que j'ai moins 6. Là, il me reste plus grand chose. Ok, donc tac. On va faire ça. Ça. C'est ça. Hein. Paradoxe temporel. Voilà. Plus je vais le tabasser comme ça. Hop. Et on le démotive, hein, on le démotive toujours. Et on va se coller à lui. Let's go. On a mis l'ébène. C'est parfait. On a désenvoûté l'homme. Oh, Massacre qui prend un moins 509 dans sa nuque. Mais ça va, elle est toujours présente, ça fait plaisir. Mais dodge qui a 4093 PDV. J'ai désenvoûté cet homme. Il fait une flamiche, il se prend moins 15. Très bien. Il a pas la libération car je lui ai fait cramer au tour d'avant. Mais dodge en dodge qui est technique, attention. Accrochez-vous à vos écrans. Oh là là, Médoche qui esquive, ça c'est parfait. Super. Il a quoi? Il a 17% en air. Donc la synchronisation peut faire très mal, mesdames et messieurs. Ouf, surtout qu'il me tacle pas d'un gramme. Ok. Il se tabasse. Ça fait extrêmement plaisir. Si je fais ça, on est bien là. Si je fais ça sur moi, ça marche. Bien sûr que ça marche. Ok, tac. T'es plus un homme. Si je fais ça et que il n'a pas, attends, je vais faire frappe de Xelor comme ça. Hop, ça je peux me mettre là. Je peux faire ma petite téléportation. Mais qu'est-ce que Oh là 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 là. Plus le chameur fou qui vient y mettre son grain de sel. La chose de Toche qui effectue un cric cric douf assez sympatoche. Hein. Il est pas mort. Je pense que j'aurais pu faire peut-être mieux. Mais c'est pas grave. Je suis assez bien de mon tour. Oh là 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 là, il abandonne. Il abandonne. C'est décidé, ce joueur abandonne. Mais qui met le coup de grâce et qui élimine directement Monsieur Fox Famille. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon gameplay. S'il y a des choses à améliorer, si vous descendez du coude sur le pouce bleu, ce serait le contact sans The Tax. Mes réseaux sociaux sont dans la description. Bonne deux petites tartes aux fruits. Zdouf.